Aujourd'hui, on est avec une équipe de 12 personnes, de préparateurs, d'internes, d'externes, qui se sont fortement mobilisés aujourd'hui sur la grosse production de solutions hydroalcooliques, qui est une denrée rare aujourd'hui. On a de plus en plus de mal à avoir des solutions hydroalcooliques industrielles. Donc on s'est lancé au CHU de Rouen sur la fabrication de notre propre solution hydroalcoolique, qui a été validée et proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que 4 postes de travail sont mis en place, avec sur chaque poste 3 personnes, 2 personnes qui fabriquent et une personne qui est là pour faire les contrôles visuels de l'ensemble des matières premières nécessaires. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de fabriquer plus de 1000 litres, soit 5 jours de consommation du CHU de Rouen. Et l'ensemble des matières premières que l'on a pu obtenir aujourd'hui correspondent à 4 semaines de consommation du CHU de Rouen. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une grosse production de solutions hydroalcooliques pour essayer de constituer un petit stock. Et à partir de la semaine prochaine, on va diminuer le nombre de postes de travail et on va continuer à fabriquer pour pouvoir entretenir le stock et pallier à l'ensemble des consommations du CHU de Rouen. Et pourquoi pas aussi ouvrir aux membres du GHT qui aussi sont fortement demandeurs de solutions hydroalcooliques. Donc on a la chance d'avoir un laboratoire pour ça. On a la chance de pouvoir avoir des partenariats avec des laboratoires qui nous fournissent des matières premières. Et donc voilà, on est dans cette grosse entreprise de fabrication aujourd'hui.